Amis jardiniers, chers abonnés, bonjour. Alors, on vous retrouve ce soir après le travail. Là, il va être 19h30, pas très loin de là. Eh bien, pour une petite occupation jardinage du soir, on va profiter un peu de ce beau temps pour semer quelques haricots. Il y a une de ces variétés pour laquelle je ne vais semer que 8 haricots. Les 8 haricots dont je dispose, il s'agit de haricots qu'on appelle les haricots du Saint-Sacrement, me semble-t-il. Donc, ils sont assez particuliers, blancs avec une petite tache couleur lie de vin dessus. L'idée, bien entendu, pour cette année étant d'en récolter d'autres, hein, puisqu'ils sont reproductibles et non pas de les consommer. Bon, on verra un peu si on réussit à obtenir une longue lignée de ces haricots. On verra bien. On va donc en semer quelques lignes ce soir pour chacun d'entre eux. Et puis l'idée, c'est d'en ressemer régulièrement, je dirais, avec un espace de 15 jours, ça peut être bien, de manière à obtenir un peu une récolte, eh bien, elle aussi étagée sur la saison, comme on a pu le faire avec les petits pois. On va vous montrer ça tout à l'heure, ça semble plutôt pas mal démarrer. Donc d'autre part, il va s'agir également de faire un petit peu un bilan. Voilà, on est là début mai, on a attaqué ce jardin, je vous le rappelle, sans aucune expérience, eh bien en décembre, la période à laquelle on a pris possession du terrain. Et je crois qu'il est temps un petit peu de se projeter sur un premier bilan ici, sur la technique qui a été mise en œuvre, et puis voir un peu si notre itinéraire technique tel qu'il est satisfaisant, ou si au contraire il y aura des ajustements peut-être à prévoir l'année prochaine. Voilà. Eh bien, on commence tout de suite avec le semis de haricots, si vous le voulez bien. Alors, je vais commencer par ouvrir une petite saignée ici dans le foin qui ne va pas faire toute la longueur puisqu'on a un chou-fleur qui est planté là-bas en isolé. Donc avec le couteau à pain, ça fonctionne très très bien, d'accord. Voilà. J'ouvre une saignée dans mon foin. Voilà, c'est fait. J'écarte. C'est bien humide en dessous. Hein. Voilà. S'écarte tout seul. Hein. Voilà. Et je retrouve un sol tout à fait décompacté en dessous. Alors le. Ce qui est assez étonnant, c'est le crottin. J'ai dû mettre pas loin de 400 litres pour le moment de crottin sous le foin, hein, sur l'ensemble des parcelles. Ce crottin est complètement assimilé sur les endroits où je l'ai mis dans les premières passes, hein, plutôt en saison. Il est déjà complètement assimilé par le sol. Hein. C'est incroyable, hein, ça va vraiment très très vite. Voilà donc ma saignée est bien ouverte là, juste de quoi accueillir mes 8 haricots du Saint-Sacrement. J'espère que à partir de là on pourra semer de nombreuses lignes dès l'année prochaine. Et on va après ça donc ouvrir d'autres lignes du même type, mais sur toute la longueur de la parcelle, ici et là, sur d'autres parcelles de manière répartie, et on va semer donc les autres haricots. En poquet, hein, c'est-à-dire quelques haricots par emplacement, quoi, espacés de 25 cm environ. Hein. Allez, c'est parti. Voilà, donc les haricots en question, j'en ai vraiment pas beaucoup. On y va. Alors, pour cette raison, je vais éviter de les mettre en poquet peut-être, et plutôt essayer de les espacer de manière régulière. Voilà, on n'aura plus qu'à arroser après ça, et puis en espérant que ça donne quelque chose, hein, à suivre. Voilà, donc Séverine est en train de semer quelques haricots de la variété Oxinelle, donc des haricots mange-tout nains, qui sont donc à semer en petits poquets. On a ouvert donc les saignées dont je vous parlais tout à l'heure dans le sol, voilà, à travers le foin. Donc ce foin va nous permettre de protéger notre culture, le sol, et en principe nous dispenser un minimum eh bien, des opérations de désherbage.
Alors voilà, on a donc semé quatre lignes de haricots, contendaires et auxinelles. On a tenté le semis en poquet et en ligne pour essayer de comprendre ce qui fonctionne le mieux. Alors quatre lignes, ça fait pas beaucoup. Il est entendu qu'on va en ressemer d'autres très prochainement et on va essayer de cette manière d'étager un petit peu la récolte également. Il faut pas oublier que sur ces 150 mètres carrés, nous ne sommes que deux. On n'a pas grand monde à nourrir. Et donc si tout arrive d'un coup, ça sera modérément intéressant pour nous. Bien, alors je me retrouve ici autour des rames, on va appeler ça comme ça, qu'on avait édifié à l'attention des petits pois. C'était la variété 12 Provence, je suis près de Lille, j'aurais dû bien penser que ça prendrait pas. En fait, on en a obtenu quelques-uns, mais c'est très 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 moyen. Que ça soit finalement sur les rames ou en ligne, 12 Provence, c'est pas une réussite. On a beaucoup mieux réussi avec d'autres variétés. Le nom devait être suffisamment évocateur pour que je comprenne, mais je n'ai pas compris. On va donc exploiter de nouveau ces rames, cette fois avec la variété Blue Hill de haricots, qui sont donc des haricots mange-tout à rames, qui ont la particularité, me semble-t-il, d'être violets et de devenir verts à la cuisson. Si j'ai bien compris, ce sera assez intéressant à observer. En espérant que ça fonctionne, alors on va semer comme ça autour de deux ou trois rames où il y a un peu moins de petits pois, voire pas du tout, ce qui est le cas de celle-ci. Et je vais sans doute associer, je vais associer quelques capucines à ces semis de haricots dans l'espoir que ça puisse grimper là aussi un peu autour et puis occuper un petit peu cette structure et fleurir un peu tout ça et amener un peu de biodiversité dans le même temps, quoi. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Voilà, donc un petit exemple ici de la manière dont on a arrangé une planche en venant trouer, voilà, ici par exemple, là sous une bouteille pour une courge, voilà, diverses choses qui sont des salades, betteraves, côtes de bête, notamment qu'on est venu mettre ici de manière complètement variée dans cette planche, de manière désordonnée. Ça, c'est ce qu'on a commencé par faire sur les premières planches. Ensuite, on est donc venu travailler en ligne, réaliser donc en travers de nos planches de culture, ce qui nous permet de pouvoir travailler de part et d'autre de la planche sans avoir à marcher dedans. À ce titre-là, on gagne rien par rapport à la situation un peu éparse que je viens de vous montrer. Simplement, pour mieux protéger les cultures, pour mieux poser du P17 peut-être sur les lignes qu'on a réalisées et qui pourraient en avoir besoin, c'est quand même préférable. Et donc, à l'avenir, quand même, dans l'itinéraire technique, disons, qui sera le nôtre l'année prochaine, je vais renoncer quand même à cette disposition un peu, un peu désordonnée, qui me séduisait bien au départ, mais qui ne permet pas de répondre à un certain nombre de contraintes techniques, notamment en termes de protection des végétaux, la pose de P17, la pose de filet, etc. D'autre part, je pense quand même qu'on peut effectivement réussir à alterner les cultures sans problème, même en travaillant en ligne. Au lieu de mettre des individus isolés comme je l'ai fait là sur ces deux premières planches, il suffit d'alterner les lignes. Une ligne de haricots ici, une ligne de navets à côté peut-être. Il y a moyen certainement d'alterner un petit peu les cultures de cette façon, en respectant si possible les associations bénéfiques, mutuelles. Voilà, on peut par exemple donc retrouver ici notre ligne de haricots nouvellement semés aujourd'hui. On retrouve également ici une ligne de salsifis qui sont en train de démarrer tout à fait correctement. On avait à côté des oignons et puis des radis semés entre deux et de nouveau des oignons. Voilà, donc le fractionnement de cette manière par ligne, ça marche très très bien. Et puis entre deux, là où il y a le foin, il n'est pas utile de désherber, de nettoyer, quoi. C'est quand même ça de gagner. Et en même temps, on continue toujours d'alimenter notre sol en fonction de l'objectif qu'on s'était fixé en démarrant ce projet, quoi.
On a quand même perdu quelques bricoles. Je reviens au sujet des limaces. Je viens faire écho un petit peu à une vidéo récente qu'on avait fait au sujet des limaces. Il se trouve qu'on s'est fait bouffer peut-être un œillet d'Inde complètement, et puis une courge aussi que j'avais ressemée suite au gelé dernière. Les deux cotylédons se sont fait grignoter petit à petit, et voilà, c'est terminé. Heureusement, j'en ai semé quand même quelques-unes d'avance, c'est pas bien grave. Donc voilà, au rayon des pertes, disons, attribuées clairement aux limaces, honnêtement, pour le moment, tout va bien. C'est pas... Je vais pas dire que c'est négligeable, mais c'est quasiment ça, quoi. Il y a vraiment très très peu de choses, quoi. Pourvu que ça dure. Voilà, nos salades se portent plutôt bien, comme on peut voir. En voilà une autre. Voilà, donc elles sont disposées entre des lignes d'échalotes. Voilà les échalotes, qui vont tout aussi bien. À côté, on peut apercevoir également nos petits choux rouges, dont on est très content. Pour le moment, ça démarre très bien tout ça. Voilà, choux rouges ici également. Et ici, voilà, on a un rang de navets qui a été semé en mini-motte. Ça a très très bien fonctionné sur cette ligne. Alors que les navets que j'ai semés par ailleurs en pleine terre ont beaucoup moins bien poussé. Voilà, à titre de comparaison, les navets que j'ai semés ensuite en pleine terre, c'est quand même beaucoup moins beau. J'ai l'impression que les carottes commencent à se développer aussi correctement, c'est pas si mal. Bon, viendra ensuite la difficile question de l'éclaircissage. Bon, on verra en temps voulu. Voilà, les côtes de bête également qui se développent plutôt bien. On devrait s'en sortir correctement avec ça, j'espère. Voilà également les toutes premières betteraves. Bon, c'est un petit peu plus compliqué, il est peut-être un peu tôt pour les betteraves encore. Bon, il y en a d'autres en semis là qui vont bientôt rejoindre la parcelle. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Voilà, donc encore quelques travaux réalisés ce soir sur les parcelles. Encore une fois, ça reste le potager vraiment familial. Ça reste une activité aussi, en même temps que la vocation alimentaire que ça peut prendre. C'est aussi un moyen pour nous de passer un petit peu de temps. Voilà, en soirée comme ça, c'est très très bien. Il y a pas non plus un souci là d'être hyper productif. Ne le perdez pas de vue quand même. Même si je pense que c'est pas si mal, en tout cas, disons encourageant sur les premiers résultats. Donc ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que le foin, le crottin de cheval, je l'ai peut-être pas précisé, oui, mais sous le foin, sinon c'est clairement dérangé par les oiseaux. En fait, ils raffolent, je crois, les merles en particulier de tout ce qu'on peut trouver comme bestioles dans ce crottin qui s'y installe très très vite. Et du coup, ça vient mettre un peu de désordre et recouvrir de crottin les feuillages voisins, bon, ça peut être un peu ennuyeux. Donc le crottin de préférence sous le foin, et encore une fois, il sera assimilé très très vite, on en a fait l'expérience. Les bouteilles, jusqu'à présent, c'est toujours ok, ça fonctionne très très bien. Même si, dans le cas de la courge que j'ai eu qui s'est fait bouffer les cotylédons, c'était quand même le cas sous la bouteille, donc c'est quand même pas encore là non plus la protection ultime. Et puis voilà ces fameuses lignes qui nous semblent clairement bien plus appropriées qu'une disposition un peu désordonnée comme on l'avait envisagé au départ. Ce sont ces lignes qui seront désordonnées, mais il faut quand même qu'on travaille de cette manière un peu plus linéaire pour pouvoir mieux protéger tout ça. On se retrouve très bientôt dans la serre. La lumière baisse terriblement, ça va pas être possible pour ce soir. Mais le temps que la serre se mette un peu en place, que je retire encore un peu quelques semis qui sont en cours dedans, et puis que ça s'organise un peu, et puis on se retrouvera un petit peu pour voir aussi ce qu'il en est sous le tunnel. Je vais peut-être laisser le mot de la fin à Séverine si tu veux bien terminer. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. Eh bien oui, que puis-je vous dire, le mot de la fin, fin. Au revoir. Non, c'est nul ça. Ça c'est nul.
Non. Non. Allez. Je suis pas comme Étienne. Non, mais je te relaisse le mot de la fin. Allez. Bon, je vais peut-être laisser le mot de la fin à Séverine quand même. Il faut qu'elle s'exprime un petit peu. Et puis, en ce qui me concerne, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Fin? Ah oui, d'accord. C'est la fin. Ok. Bon, allez, ça va. Dégage.